Ça va gros, tu t'en sors? T'inquiète mec. Eh les gars, c'est vraiment mon life goal. Là actuellement, ce que vous voyez, c'est quand même Noah le Hobbit qui est en train de devenir un panda mec, c'est incroyable. Allez vas-y, mets-toi bien, mets-toi dans le costume. Kawaii. Kawaii. Eh, on est là ou pas? T'es mort la taille du flow. Attends mec, eh, quoi, j'ai attrapé ta queue. Oh, ouais, ouais. Quoi, tout le monde, c'est Rayton, j'espère que vous allez bien les refs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec... Noah le panda. Alors si vous savez pas pourquoi il est en panda les gars, déjà il faut suivre parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment. Les gars, en fait on était sur la chaîne de Noah et on a fait une vidéo là où si l'un de nous deux crie et perd, il doit se déguiser avec un costume. Donc les bats, du coup Noah a perdu et du coup c'est lui qui a le costume. Et si aujourd'hui il y en a un qui perd, et bah ce sera à lui de porter encore un costume de plus en plus ouf à chaque vidéo, tu vois. Exactement, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même jour, pour voir qui aura perdu et surtout pour voir qui devra poster un costume. Surtout que là c'est le plus simple, genre après on a des plus compliqués et tout. Mais bref, donc la vidéo, vous l'avez compris les refs, le concept, c'est un concept que Noah fait très bien mais qui perd à chaque fois, c'est tu ris. Oh mais non, c'est pas ça, c'est... C'est, on va regarder des vidéos avec des niveaux de peur et le premier qui crie a perdu et celui qui crie le plus globalement a perdu. J'espère que vous allez avoir peur, c'est la seule vidéo où je peux vous me permettre de dire ça. Si vous kiffez ce concept, n'hésitez pas bien évidemment à le déchirer la barre des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche les gars. Bientôt 1 million d'abonnés, je sais pas ce qu'on fait encore là tu vois. Là on devrait être au million. Mais on devrait être au million là. Mais bien sûr, mais c'est eux là ils font rien. 1 million of cookies gang. Ouais non mais c'est bon ouais, calme-toi quand même. On est ensemble mais... pas trop, tu vois. Donc les refs, on commence, c'est parti maintenant. C'est parti les gars, pour la peur. A noter que pour moi, quand même, le truc qui fait le plus peur, c'est toi. Je rigole, c'est trop méchant. C'est parti. Niveau 1, mets ton casque, panda. Donc t'es prêt? Là, c'est image star flippant. Ouais, okay. Tranquille. Ok, on va voir dans les abonnés qui auront peur. C'est parti. Mamie, ma petite soeur. J'ai pas de petite soeur. J'aimerais pas en avoir ça, elle ressemble à ça. Ça, c'est ma tante. Ça, c'est clairement ma tante. Oh, tante Gertrude. Mais là ça va franchement. Attends mais qu'est-ce qu'il a pu lui dire pour qu'elle soit aussi choquée wesh. Ça c'est moi chez le dentiste ce matin quand il a dit ouvrir la bouche. Eh vas-y attendez, on en parle que le niveau 1, on a dead ça en 2-2. J'avoue hein, en vrai le niveau 1 c'est hyper tranquille hein. Les gars vraiment y a pas eu une seule plus son de peur, on a juste rigolé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu peur mais perso moi je trouve c'est tranquille hein. De toute façon le truc qui fait le plus peur c'est quand ta mère arrive ou ton père et t'appelle par ton nom complet. C'est... Oui vraiment. Elle genre arrive... vraiment. Noah Hirtlamberg, viens ici! Mais attends, mais tu t'appelles pas Dorian? Mais c'est quoi? Mais mec, il a trop de mystère ce gars, gros, c'est un Kinder. Ok, c'est parti pour la suite. Ok. Ok. En vrai, c'est... mec, c'est que je trouve que c'est carrément stylé en fait. Hein. De ouf, hein. Ça pourrait être un fond d'écran. C'est un peu esthétique et tout, ça passe, hein. Ou ça, j'aime moins ça. Ça, j'aime un petit peu moins, tu vois. Eh, mais ça veut dire qu'il y a quand même un gars, il a toutes ses photos là dans sa galerie. Hein. Mec, il est malade. Vraiment, il est malade. Moi, je prends son tel, je le touche plus, hein. Genre, je le mets par terre. Pas du tout, par contre. Ça j'aime pas du tout tu vois. Ah les enfants t'aimes pas? Non pas du tout, vraiment les enfants un peu dégueu comme ça mec c'est ma pire phobie genre. Ok, les potes du coup vous savez quoi? Là c'était beaucoup trop simple, on va passer directement au niveau 5. Oh. C'est des gifs un peu flippants donc Ah c'est des gifs? Ok. Ça va. Maquillage ouais, ça. Ouais ça va ouais. Maquillage. Ça c'est pas. Ça c'est glauque. Ça c'est bizarre. Ça pour le coup c'est vraiment bizarre frère. Wesh. Je suis pas fan hein. Là je suis moins à l'aise, c'est quoi ça? Oh non, non, non. Là, je t'avoue, je rigole, mais c'est plus un rire en mode ah, je vais mourir. Ok, niveau 6. C'est des bruits. Des bruits effrayants. Tu veux la faire? J'ai tenté la blague, laissez-moi tranquille. J'ai rigolé pour faire plaisir. Ouais, c'est vrai. Moi aussi. Ok, bruit effrayant. Tu peux passer au prochain. C'est vraiment juste une porte. J'allais vraiment te dire, gros, c'est sûr, il y a des bruits de porte. C'est oublié. Venez, on passe direct à la suite, bas les couilles. Ok, niveau 7, paranormal activity. Et vraiment, mec, on a juste grave rush tout le truc. Hein. Genre, en fait, on sait que ça fait pas assez peur. Donc, nous, on y va à fond. Get out of my house. Ouais, je sais pas, c'est quoi? T'as vu un truc? Ok. Oh, il va devoir tout ranger. Ça fait peur. C'est chaud, mais il y a trop de bruit de fond bizarre, genre. Je pense que c'est fake. Sinon, il y aurait pas autant de bruit de fond, genre. Après, les bruits de fond peuvent être ajoutés au montage par le monteur. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas quand y'a pas de bruit comme ça, frère. Pas de screamer, s'il vous plaît, pas de screamer. Pas de screamer. Ok, c'est bon. Quoi? Ouais, y'avait un truc. Ah, mais il vole. J'ai pas vu. Oh ouais. Si, j'ai déjà vu. Elle est au calme. Sauf s'il y a un screamer. Si attends, mais il est à poil ou il a quelque chose, gros? T'inquiète, y'a un truc. Mais attends, mais on voit pas? Mais si, on voit, frère. Je crois qu'il a un gros paquet quand même. Oui, y'a un gros paquet. Je crois que c'est une femme, donc c'est bizarre aussi. Wow! T'as crié? C'est vrai. Ah! Moi je dis le monteur, tu rajoutes un point à Noah direct! Eh les gars, je vais gagner cette compétition. Alors à noter qu'on a vraiment une grosse compile. Donc là, chill les gars, c'est mal, c'est le début, ça fait pas trop peur. Mais Noah, il t'en faut peu, hein! Oh,
mais t'inquiète mec, c'est juste le bruit en fait qui m'a fait peur, je t'avoue, mais ouais, t'inquiète, tranquille. Tu te dis comment de perdre? Je vais gagner, en fait, c'est ce que tu comprends pas. Pour la première fois de ma vie, je vais gagner les refs. Jusqu'à maintenant, tous les challenges qu'on a fait, j'ai tout perdu. Celle-ci, les gars, c'est... C'est ma victoire. Pardon. C'est quoi? Je crois en toi. Let's go. Je vais y arriver. Putain. What the fuck. Alors, c'est clairement mis en scène, mais c'est clairement bien fait. What the fuck. Attends, mais la meuf, elle s'appelait Paige. Comme ça fait page. Films. Vu que la vidéo, elle m'a marqué, on peut dire que c'est un marque-page. On peut dire que... C'était bien nul comme blague, oh putain. C'est page grave. Pas de... Franchement, mec, moi je dis, viens, on continue, on tourne la page. Ouh. Attention, les gars, humoriste du dimanche en sueur. Oh, niveau 8. La chose la plus effrayante du test. Technique de ninja. Ah, c'est bon. Ah, c'est fini? Je crois que c'était la fin. Ah, c'est la fin qui est effrayante, le fait que la vidéo soit finie. T'inquiète. Parce que là, j'étais en mode, genre, j'attendais trop inscrire, j'étais chaud pour me battre et tout. Ok, pas. Marqué, ne regardez que... Là, le but, c'est de vraiment regarder que l'écran, et les gars, vous devez pas regarder autre chose. Okay. Regardez-nous. Prends-moi tranquille, hein, y a pas trop de temps, c'est chill. Il y aura un screamer, mec, il y aura un screamer, et je suis préparé mentalement. Il y aura un screamer, et je suis préparé, je vais pas sursauter. Pitié, imagine, c'est juste ça durant tout le long, genre. Y aura un screamer. En vrai, là, y a pas de son, donc pour l'instant, c'est tranquille, en vrai. T'inquiète, mec. Je comprends pas où le truc va en venir. Genre, c'est effrayant les feux d'artifice. T'inquiète, gros. C'est... Franchement, tranquille. Hein. Alors là, non, mais là, non. Tranquille. Non, mais ça, je valide pas, gros. T'inquiète, mec. Mec, t'inquiète. Ça faisait vraiment pas peur. Attendez, mais qui a eu peur dans le chat? T'inquiète, mec. Ça, c'est le niveau 1. C'est le niveau 1, gros. Tranquille, tranquille. Si vraiment vous avez un peu peur, en tous les cas, regardez nos têtes. Franchement, regarde ça. Tu peux pas avoir peur, mec. Wow, on est bien là. J'ai pas de flow là, c'est ça ce que t'es en train de nous dire? Non, justement, moi, tu me rassures de ouf. Franchement, je me sens en confiance. Bon, je montrais dans ta camionnette. Ça fait peur la neige, mec. Écrase-la! Voilà. Putain. Il était bizarre le truc, frérot. Alors, moi je dis ça déjà, mais moi je t'ai regardé, t'as fait. Ça va. Et pendant que tu faisais ça, je sais pas si vous avez vu, moi je me tapais une méga barre. Ça va. On a vraiment deux salles, deux ambiances. Ok, pourquoi pas. Partie 3, les gars. Là, dites-nous dans les commentaires à quelle partie vous avez eu peur pour l'instant. Clairement. Moi, franchement, la première vidéo pour l'instant m'a fait plus peur. Mais celle-là, je la sens plus bon, genre en mode, vous nous trick, mec. Celle-ci, frère, elle était. C'est la pire hein, pour moi là. C'est ah ouais? Vraiment. Ok, ok. J'ai pas sursauté, mais c'était vraiment la pire. Genre. T'inquiète pas, t'as encore 10 minutes pour sursauter. Oh mec. C'est parti pour la suite. Ah, mais c'est un piège à souris. Wesh, mais c'est pas une souris, frère, ça. Ça, c'est un raton laveur. Oh, c'est un petit rat. Non, c'est un écureuil. C'est un petit rat tout. Mec, t'as vu son fiac? Oh non, je croyais qu'il se fasse du mal, l'écureuil. Non, s'il te plaît, frérot, fais pas ça. Il a vraiment une gueule de con. Mais il est trop chaud. Il est défoncé. C'est bon, matin. Oh. J'ai eu trop mal pour lui. J'ai eu trop mal. Oh non. Là, il a l'air d'aller ok, mais... T'as vu comment il a mis ses petites pattes en mode non? Il lui a brisé le nez. Je veux plus regarder. Mais, attends, mais là, il regroupe ses trucs en mode hey, je suis le maître du monde. Oui, il est posé dans le Banks, là, en fait. C'est quoi, c'est derrière? J'avoue. Ah, c'est sa copine, je crois. C'est sa pote. Qu'est-ce qu'il regarde? Il dirait qu'il essaie de nous dire quelque chose. Quoi? Attends. Il nous a fait quoi, là? Il nous a fait une face, le gars. Il nous a fait une face, carrément, frère. Mais attends, mais d'ailleurs, Panda, t'étais pas en mode... Non, t'inquiète. Moi, je dis, le monteur, c'est à toi de voir. Est-ce que tu lui rajouterais pas un petit point, là? Bon, j'avoue, j'ai peut-être un petit plaisir de sauter. Allez, deux points, c'est quoi, vas-y. Pas ce qui me saute dessus, je t'avoue, frère. Ah, mec, mais c'est que moi aussi, hein, là, par contre, j'ai comment... Là, tu vois, j'ai eu peur. Là, Là, j'avoue, le Rayton, sans froid, sans émotion, là, il est pas là, tu vois. Partie 4. Oh, ok, les gars, c'est de l'audio. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, c'est une chambre qui a été cabriolée, c'est ça, non? En gros, si je comprends bien, c'est. Je sais pas s'il est mort ou quoi, mais c'est Michael Jackson. Ouais. En gros, là, ils sont dans sa maison. Ok. En gros, il y a eu, je crois, une sorte de grosse infraction, quelque chose comme ça. Ouais. Et ils sont en train d'enquêter là-dessus. Ok, ouais. J'avoue, il y a un truc qui est passé au loin, mec. Ah oui! Sachant que là, normalement, il devrait y avoir personne. En fait, genre, la pièce, c'est que scellée de l'intérieur. What the fuck? C'est chum. Oh, t'as sursauté, j'ai putain vu! J'ai vu! Let's go, bébé! Je me suis fait avoir sur environ. Mais t'as sursauté aussi! Million! Donc ça fait un point pour moi et 70 points pour toi! C'est la première fois que j'ai vu un sursaut comme ça. Ouais, vraiment, c'est vrai. De ma part, c'est très dur hein, d'avoir des réactions. Pour un youtubeur qui fait de la réaction, c'est un peu bizarre, mais. Let's go! C'est quoi, mec? On va... Je vais voir à quel point je suis gentil. Ce point-là, je le prends et tu prends aucun point. Let's go, baby! Alors, c'est parti pour la suite. Partie 5, la mort ou le roquefort? Ok, là on se met dans l'ambiance directe, tard, ça fait peur.
C'est juste la chaise qui va bouger au calme. C'est pas la chaise. Là, tu vois, c'est trop bien parce que c'est la chaise qui bouge. Pourquoi c'est si bien cadré, tu vois? C'est bon, c'est tranquille, c'est tranquille. Tranquille. Je n'ai pas bougé un sourcil. Moi non plus. Mais c'est bien une musique qui fait peur là maintenant, ouais, c'est ça. La musique si peu. La musique est si peu à l'aise. J'ai joué à faire la tête Freddy. J'ai plus peur des screamers. T'inquiète, la même. Oh putain, ça j'aime pas. Ouh, ça j'aime pas du tout, frère. Ça j'aime pas du tout. Non, pas des clowns. C'est sa phobie, les gars. Non, j'aime pas. Ah ah. S'il y a un screamer clown, je tue une famille, hein. C'est bon. Oh frère. C'est bon. Deux points pour Noah et un pour moi. Allez, c'est parti. Let's go. Putain, j'aime pas ces bruits, frère. En plus, elle dit bien maman. Alors, tout va bien. Ah, quoi, c'est fini? Mais j'en voulais encore, moi. Ah, mais attends, juste une vraie question. T'as vraiment autant peur des clowns que ça? Vraiment, en fait, tu veux le background? J'étais petit, je me baladais dans la forêt et il y avait un clown qui m'a suivi. Premier degré. Et ça m'a fait trop peur depuis toute ma vie. Et je sais pas si c'était mon daron qui me faisait une blague ou quoi, depuis j'ai vraiment la phobie de ça, frère. Ok, donc ça veut dire que... Ferme tes yeux. Attends, ferme tes oreilles. Les gars, j'ai une idée. Je vais faire une vidéo où je vais ramener, sans qu'il le sache, une dizaine de clowns au studio, sans qu'il le sache. Et après, on filme sa réaction. Mettez des pouces bleus si vous pensez que c'est une bonne idée. Et dites-le moi en commentaire. Mais on garde la surprise. C'est bon. T'as dit qu'il fallait ceux qui s'abonnent à ma chaîne, non, c'est ça? Ouais, de ouf, ils vont totalement s'abonner tous à ta chaîne là, ouais. Parfait. Ouais, abonnez-vous à la chaîne de Noah. D'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne. Bientôt le milli. Let's go. Non, mais attends. Toi, t'as déjà le trophée. C'est vrai. Moi, je l'ai pas. Pourquoi, les gars? Moi, je veux que c'est marqué réalité, du coup, puisse ma mère soit fière, tu sais. Les gars. Vous voulez. Tu le fais tomber, je te boum. Je tomberai avec. Genre, les gars, en vrai, les gars, il faut le trophée pour la mama. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. Me suivre sur Instagram, Rayton-Adiba-YT. Il y a beaucoup de choses là-bas et beaucoup de nos challenges qu'on fait en vidéo maintenant se basent là-bas. Donc, vraiment, il faut aller suivre. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à mettre les photos profil du Cookie Gang qui sont actuellement dans la description. Ils s'affichent à l'écran aussi parce que les monteurs, c'est des fous. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, les photos profil, ce qui est cool, c'est que vous pouvez les utiliser, vous prenez celles qui vous plaît le plus. Et là, bientôt, en fait, on va bientôt les enlever. Donc faut les prendre maintenant pour en mettre des nouveaux. Et ceux qui auront ceux de maintenant, vous aurez les plus rares, vous aurez ceux de la première édition. Exactement. Et quand on sortira la 2, et ben ceux qui arriveront à la 2, ils seront en mode pourquoi je peux pas avoir la 1? C'est parce que c'est vous les amis qui aurez déjà la 1. Abonnez-vous à la chaîne de Noah, tout est en description. Passez une très très bonne journée. A plus, mon Rayton et Noah. Peace out. Et ciao.